Adobe Premiere Pro, je vous montre comment importer des images pour réaliser un timelapse. Les timelapses sont très populaires actuellement, on en voit un peu partout. Alors, par défaut, si j'importe des images dans Premiere Pro, comme ceci, par défaut, en fait, bon, je prends quelques-unes, je ne prendrai pas 14 000 photos comme je fais d'habitude. Alors, j'importe les images, et si je dépose les images ici, on voit que le délai est de 5 secondes plus ou moins, si je fais jouer ça ici. On voit 3, 4 et voilà 5. Alors c'est 5 secondes par image. Alors c'est un peu long. Alors pour en fait bien faire un timelapse, on parle ici à peu près d'un tiers de seconde par image. Alors maintenant, je vais retirer les images parce qu'il faut que je réimporte les images déjà importées. Alors je vais aller modifier les préférences générales. Dans un Mac, ça se trouve à côté de la pomme dans le menu Premiere Pro et les préférences. En PC, ça va être dans le menu édition, complètement vers le bas. Alors préférences générales. Ici, par défaut, la durée par défaut de l'image fixe est de 150 images. On tient compte qu'ici, mon montage est de 30 images secondes. Alors, si je divise 150 par 30, j'ai donc 5 secondes par image. Alors, si maintenant je prends ce chiffre et que j'inscris 3, j'aurai ici, en fait, un tiers de seconde. Alors, maintenant, je fais OK là-dessus. Maintenant, je réimporte à nouveau mes images. C'est un exemple parce qu'en général, on parle de 700-800 photos pour un timelapse qui a une certaine durée. Alors, comme ceci. Dans le menu, en fait, dans la fenêtre projet, il n'y a pas de changement notable, sauf que quand je vais prendre les images et que je vais déposer ça ici, il va falloir que je zoome beaucoup pour voir l'ensemble de mon résultat ici. Alors, en faisant ici un contrôle pour faire supprimer le bouton droit de la souris pour faire un supprimer raccordé pour enlever l'espace vide. Comme ceci. Alors voilà, un tiers de seconde. Alors maintenant, ça va très vite pour faire un timelapse. Alors, parce que je vois souvent quand j'enseigne, les gens laissent ça à 5 secondes, puis ils font des modifications sur le timeline directement pour chaque image. C'est un peu long. À vous de vous amuser.